Bonjour à tous, c'est Cédric. Nous allons faire ce let's play en live sur tout de suite sur Mixer. Alors on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour ce petit let's play. Alors en haut il y a, ah oui c'est mon truc, et il y a marqué changer de compte. Non, je vais pas changer de compte. Alors comme vous pouvez voir, c'est en EA accès essai pour l'instant, le temps que je reçois la version complète. Et on va commencer déjà la première partie de ce let's play. On va voir ce qu'il donne. Apparemment il a l'air de bien cartonner. Je regarde d'abord le petit truc là au début. Ah, c'est pas mal hein. Ça donne pas mal. Ouais. Allez, c'est parti. On va mettre facile hein, parce que je sais pas au début. Je connais pas le jeu donc on va faire comme ça pour le. Alors, essai. Bienvenue dans l'essai prioritaire. L'essai prioritaire vous permet de jouer pendant 10 heures au prochain Need for Speed Air. Avant sa sortie, jouez aux nouveautés et aux meilleurs jeux d'EA avant tout le monde avec un abonnement EA Accès. Basique. Votre progression sera conservée si vous achetez le jeu. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je suis avec accès pour l'instant, une version d'essai, et j'aurai la version complète un peu plus tard, dans la semaine prochaine, je crois. Ouais, on va jouer en solo pour l'instant, on va faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Plus qu'à attendre que ça charge. Là, ça va charger. Ça charge. Hop là. Showdown est de retour, on va regarder, et c'est Palm City qui accueille une fois encore l'événement phare du sport automobile. Chaque jour, ils seront des milliers de fans à espérer entreapercevoir les meilleures voitures de sport en action. Mais à la nuit tombée, les compétitions laissent la place à un autre univers beaucoup plus dangereux. Bienvenue dans le monde de la course urbaine. Un milieu clandestin, fréquenté par des casse-cou et des fous de vitesse qui s'affranchissent de toutes les lois. Pour faire face à ce défi, le lieutenant Frank Mercer de la police de Palm City a pris le commandement d'une nouvelle unité spéciale anti-délinquance routière. Les courses clandestines n'ont pas leur place sur la voie publique. Écoutez-moi bien, je vais être parfaitement clair. Si vous vous adonnez à ce genre d'activité, nous vous trouverons. Et si vous pensez pouvoir nous échapper en appuyant sur l'accélérateur, je vous promets de belles surprises. Car nous serons les plus rapides et nous serons impitoyables. Allez, vas-y, viens. Croyez-moi. Moi, je suis un speed, mon gars. Vous ne pourrez jamais nous échapper. Mais si, mon coco, on va t'échapper. On va t'échapper facile. Tu m'entends, Joe? Ça se passe bien? On s'accroche. Apparemment, je vais commencer direct. Oula. Et toi, Richie? Elle est dingue, cette course, Anna! On savait qu'il plaisanterait pas. C'est la Ligue dont on parle, là. Allez, les gars, on peut le faire! Oh bah, pour l'instant, je suis encore sur... Ok, ouvrez l'œil. On roule vers le centre-ville. Ça peut se gâter. On a de la compagnie à droite. Je rattrape le groupe, voyons ce qu'ils ont dans le ventre. Eh ouais, la police. Merde, je le connais ce flic.
Ah, mignon. Je suis sérieux, ça craint. On a réussi un joli coup. C'est du gros gibier. Ah ouais, moi je suis pas là. Tu vas pas lâcher l'affaire, Anna. Ben nous non plus. Ouais, parle pour toi. Moi j'arrête. Moi je coupe pas travers champ. Hein. Comment ça, Richie? Richie, sérieux? Il nous lâche? J'ai un visuel, ils vont au nord de la ville. Arrête cette voiture! Attention, on a bloqué la sortie nord. Il y a un barrage devant toi, prends à droite. On est trop fou. Ok, à droite. Oh. Ah, il y en a un trou là. Tu crois que tu vas me distancer? Je survole une Polestar sur Mercy Bridge en direction du Ten Shores. Ne perdez pas de vue, il va vite! S'il te reste un fond de réservoir, utilise-le! Mais de quoi, le réservoir? Pas moyen de sommer l'hélico! Je m'en charge! Sortie sud. Ne te laisse pas ralentir. Bon. On va se mettre quatrième. Bonne idée. Avec la police aux fesses. Ce clic veut pas me lâcher. Chaud. 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 Nice for Speed 8. Palm City aujourd'hui. Garage de la famille Rivera. Sympa le garage. Ah ouais, je verrai ça. Salut. Attends dans deux secondes, j'arrive. Excuse-moi. Ouais, il te faut des bougies neuves. Ouais, bien. Quel genre de bruit? Ah. Je regarderai au niveau des roues, c'est peut-être un roulement. Non, pas aujourd'hui. Mais la suite demain, de après deux heures. Avec le lieutenant ouais, okay. Frank Mercer, à qui la vie la coûte. Ouais, j'ai un client là, donc j'y vais. Pas le garage. À plus. Même s'il est très important pour nous de lutter de toutes nos forces contre la délinquance, notre mission ne s'arrête pas là. Nous devons aussi créer du lien avec chacun d'entre vous. Écoutez vos problèmes, prendre en compte vos remarques. Ainsi, nous bâtirons une meilleure communauté. Ainsi, nous bâtirons un avenir meilleur. Désolé, pour moi, ça fait trop de conneries de bon matin. Écoute, je peux pas faire ça, mais si tu cherches une caisse, il me faut une pièce d'identité. Les flics y tiennent. Ah, faut choisir son avatar. Ok. Déjà, je vais prendre un mec, hein, parce qu'une fille, non. Bon, lui, il m'a l'air bien simple, pas chaud. Lui, bof. Ouais, entre lui... Lui. Ouais, je vais prendre lui.
Ah, mais on peut les voir de près. On va dire non. Voyons voir lui de près. Non, merci. Même s'il a un bon style. Non, lui, il fait trop... On dirait Marc Horus. Déconne. On va prendre une fille, quand même. Ah, il est sympa. Ah, il y a que le maillot, tu vois, du rose, ça... Moi, je prends lui. Je kiffe tes lunettes. T'es pas d'ici, toi. Je suis Lucas. Je peux t'aider? Je sais pas, il paraît que t'as de bonnes bagnoles. Ouais, c'est vrai. C'est pour le showdown? Ouais, j'ai juste envie de m'aligner. Écoute, je vais pas te mentir. Il y a une demande de fou depuis quelques jours. Bref, j'ai zéro stock, sauf celles-ci qui sont prêtes. C'est pas du haut de gamme, mais correct. Jette un œil, dis-moi si ça te va. Ah, faut choisir son auto maintenant. Alors, on va commencer par la première. La Ford Mustang 1965. BMW M3 Evolution 2 de 1988. Nissan 180 SX Type X 1996. Attends, il y en a d'autres. Chevrolet Camaro SS 1967. Elle est pas mal avec le moteur. J'hésite là. Je pensais là avec le moteur la Fast and Furious. Elle. Donc ton truc, ce sont les japonaises. C'est ton dernier mot? Ah, c'est une voiture japonaise. Et ça, c'est quoi? Eh hey, non, 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 non. Pas toucher la Camaro de papa. Ah. Bon, bah, je vais prendre ça. Très bon choix. J'ai très envie de l'essayer. Si tu veux, je connais du monde au showdown. Je peux trouver une course pour toi. Ça me permettra de savoir si la voiture marche bien. T'en dis quoi? Ça me va. Ok, on va où? Tu as le choix entre deux courses. Prends celle du centre-ville si tu aimes les longues courbes et celle d'Eden Shores si tu préfères les virages secs. Fais ton choix et trace un itinéraire sur la carte. Et tranquille, amène cette voiture sur l'aire de départ. On laisse le morceau. Ouais, bah... Une route là. Mais dis-moi, tous ces trophées là. T'étais pilote? Non, mon père l'était. Roberto Rivera, monsieur propre. Cette Camaro jeune de 67, c'est lui qui l'a retapé. Et il a tout gagné avec. Il allait quel garage? Il était bon, on dirait. Ce que tout le monde dit. Le showdown, ça pèse lourd ici, non? Me plains pas, c'est bon pour les affaires. Mais si tu pilotes, tu peux gagner gros. Ça, j'aurais rien contre. Bah, t'es comme tout le monde. Hey Dex, sois sympa avec mon ami. Sa voiture est en plein rodage. Si c'est une des tiennes, elle est sûrement déjà en panne. Tu te joins à nous? Non, mec. J'organise des courses pour débutants si t'as besoin de te mettre à niveau. Ouais, ouais, c'est drôle, très drôle. T'es toujours le bienvenu. Ah, je te parle après la course. Bonne chance. Qui a la police dans celle-là?
Avec pas de micro. Ok, alors là. Bah alors, problème de moteur. Non, problème de micro. On aurait dû en avoir. C'est quoi ces voitures que tu m'as dit là? Il y a pas de micro. La voiture roulait bien quand je l'ai vendue, hein. Ouais, ouais. Ah, ok, le magasin. Allez, on n'est qu'à la moitié. Tu peux revenir. Continue comme ça, t'y es presque. C'est juste pour t'embêter. Deuxième, c'est pas mal. Pas mal du tout. Tu vas être à la hauteur. Oui, je vais la recommencer, t'inquiète. La voiture tient bien le pavé. Écoute, j'ai quelques trucs à faire en ville. Vu tout ce que t'as gagné, à ta place, j'achèterai un kit nitro. Ah oui, moi aussi. J'en ai pas en stock. Mais va en chercher un magasin et je te l'installe. Un petit conseil si tu veux t'en sortir au showdown. Pour rester dans le coup, il faut sans cesse améliorer sa bagnole. Et ça, c'est pas gratuit. Du coup, tu gagnes de l'argent, tu améliores ta voiture pour gagner de meilleures courses avec plus d'argent en jeu. Il y a d'autres paramètres encore, mais voilà la base. Et pour toi, la première étape, c'est d'acheter ce kit nitro. C'est bien noté. Quand on achète une voiture, le service après-vente est compris. Ah oui, même d'accord. Quand on est super bon pilote, on a toujours besoin d'un bon mécano. Et ce sera toi, hein. Si tu veux conquérir Palm City sans personne pour t'aider, vas-y, essaye. Disons que c'est plus facile quand on a quelqu'un sur qui compter. Si tu vas au magasin, fais donc un crochet par le vieux circuit. Puis à l'abandon, mais il s'en est passé des choses sur cet ovale. Et c'est encore le cas, parfois, quand personne ne regarde. Pourquoi on l'a fermé? Je croyais que cette ville était le paradis des pilotes. C'est dans la rue que ça se passe. Chaque route est un circuit. Alors que demander de plus? Allez, ouvrez. Je vous entends d'ici. Il s'en tape. C'est Lucas qui te l'a vendu? Ouais. Tu le connais? Un peu, oui. C'est mon frère. Avant, c'était la mienne. J'ai gagné ma première course avec elle. Elle était parfaite pour faire ses premiers pas. Si tu le dis. Tu pourrais m'expliquer leur manège, là? Oh, y a pas beaucoup de stock à cause du showdown. Ils veulent vendre leurs pièces qu'à ceux qui en font bon usage. Donc pourquoi pas moi? D'accord. Ah ok. Je vois que t'as confiance. Allez, fais péter le micro. Et si là. Tu me prouvais que ce sont plus que des mots? Ah ouais. File ton portable. Oh bah elle est pas à chier celle-là. Faut lui péter notre moi, portable. Moi c'est Anna. Y a qu'une seule manière de se faire un nom par ici. Eh, hey, c'est tout? Je dois contacter des gens. Toi, reste joignable. Et moi, je te rappelle. Mmh.
Pendant que j'appelle mes contacts, va donc faire un tour au Keys. Il y a une station-service sur la route. Je te retrouve là-bas. Oh, et j'ai téléchargé une appli sur ton portable. Merci. Ça permet d'écouter les fréquences de la police. Ça te sera utile, crois-moi. Hey, c'est Dex. Lucas m'a donné ton numéro. Ah, salut. Ouais, il m'arrive de faire des courses d'entraînement en dehors du showdown. Si ça te branche, viens bosser ta technique. Pas de pression, du fun, des lots. Oh, j'ai des anecdotes au sujet de Lucas. Ça a l'air sympa. Génial, je t'appelle dès que la prochaine est dans les tuyaux. A plus. Ouais. Alors là, j'y suis à la pompe à essence, mais... Voilà, non. Bien.
Hey, c'est Lucas. Tu t'ennuies? Je profite juste d'un moment de calme. Ah, cool. Et dire qu'il y a des gens qui pensent qu'à Palm City, il n'y a que le centre... Faites-vous un nom. T'as attendu? Bon, à peine. Cool, allons-y. On va où? Il y a une course à la plage, avec des nouveaux visages comme toi. Je me suis dit que tu aimerais te mesurer à eux. Prends à gauche. Oh, j'ai fait comme elle, j'ai fait ce temps, non. Grâce à cette course, je vais me faire un nom, c'est ça? Pas le choix si tu veux aller plus loin. Tu veux vider ton compte gendarme pour t'acheter de nouvelles pièces ou qu'on t'invite à disputer d'autres courses? Les gens doivent savoir qui tu es. Et rien de mieux qu'une bonne course de nuit pour ça. Lucas sera là? Tu parles. À l'heure qu'il est, il a sûrement le nez fourré dans un moteur. Il s'est complètement découragé au fil des années. Bordel, Rivera! Tu crois pouvoir monter une course sans que je le sache? C'était l'idée, Kenny. Ouais, eh bien, maintenant que je suis là, ces débutants vont avoir un aperçu du talent des Speed Boys. Tu trouves pas ça foireux de te mêler à des courses qui te concernent pas? Dès que tu te pointes ici, tu deviens la proie idéale. Tu piges, graine de star? C'est à moi qui parle? Ouais, c'est à toi que je parle. Je suis le numéro uno, ne l'oublie pas. C'est quoi tous ces gens là? Il a bien dit numéro uno. T'as rien numéro de prévu uno. Ce soir. C'est pas mal. Aïe. S'il te plaît. Attends. Il y a toutes ces voitures pour la route là. Prends à droite, qui est presque. Quelque chose que je devrais savoir? Termine la course et on discutera. On y est. Voyons ce que tu sais faire. Ok. Je vais essayer de te filmer pendant qu'on roule. Prends une belle photo de mon pare-choc arrière. Dégage, Kenny. Et ne lâche pas d'un centimètre. Dégage de là. Tu te débrouilles bien. Reste au contact des autres. Pour info, si tu veux drifter, écrase la pédale de gaz au prochain virage. Ouais. Oh, alors la star, on craque sous la pression. De fou. J'ai pris de super photos de toi pendant la course. J'ai hâte de les publier. Hé, regarde. Y en a qui te plaisent? Ouais, toutes. On peut leur proposer une course?
C'est mort. T'as du chemin à faire avant qu'elle te donne une chance. C'est qui, elle ? La Ligue. Elle est en place depuis des années. Le Showdown fait venir plein de petits nouveaux. Et elle repère les plus talentueux. Quand il y est, tu accèdes au top du top. Voiture, course, pièce. Tu veux savoir pourquoi on vient tous les soirs ? Voilà ta réponse. Là, c'est pas mal. Il paraît que Lucas a failli en faire partie avant de tout arrêter. C'est tout lui, ça. À toutes les unités, apparemment un rodeo urbain est en cours. Les suspects ont été aperçus dernièrement vers Westside. Merde. Partons avant que les flics se pointent. Je t'envoie les coordonnées de quelques planques qui pourront servir s'il faut se faire oublier quelque temps. Je file dans l'une d'elles à Eden Shores pour monter la... tes exploits. Dommage. Je m'amusais bien. Si tu veux disputer d'autres courses, c'est à toi de voir. Juste une chose. Si ça chauffe, évite de te faire arrêter. Ça n'aide pas à se faire un nom. De la mission. Bon, c'est déjà mal barré, moi. C'est pas grave. Oui, elle est où la planque ? Déjà à fond ? J'aime ton style, la star.
peux rien, c'est pas beau, il faut rien. Oh, c'est là où là? Ah, mais il y a des plateaux en fait. Ah, c'est pas du tout. Ah. Un joueur pour ça. Non mais c'est pas vrai. Oula. Laisse tomber. Je vais te faire en marche arrière. Mais. C'est quoi ce bordel? Aussi les flèches, ils mettent 3 minutes après, t'as pas le temps de tourner. Oh non, pas les flics. T'as eu ta chance. Je pars à la poursuite du Nissan 186. On va la pousser dans ses retranchements. Poursuite en cours, je veux qu'on neutralise. Pourquoi me neutraliser à moi? Non, non, mais tu dois. Oh, 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 oh. Comment sonner la police? Ok. La police. Ah, puis la route elle est nulle. Oh, dans la baille. Accidenté. On a personne en réserve. Si je veux continuer, ce sera en poussant ma voiture. Évasion. Vérifiez partout. On dirait que tu les as semés. Tu sais où me trouver quand tu voudras passer à la suite. Yeah.
traversons, moi. Oula, oula, oula. Bon, en fait, là, je suis en train de filer un peu comme... Hop là. Pas mal pour une première nuit. Il y en aura beaucoup d'autres. Alors. Ouh, on l'a posté il y a 5 minutes et on a déjà des centaines de vues. C'est qui, on ? Regarde qui voilà. Eh hey, ma sœur t'offre la visite guidée, hein ? En quelque sorte. Sache quand même que, si pour toi, courir veut dire se faire embarquer par les pics, c'est la guide idéale. Rappelle-moi, c'est lequel de nous deux qui s'est déjà fait coffrer ? Ah, j'ai retenu la leçon. T'as juste appris à être barbant. Ouais, normalement, perdre son crew, ça veut dire arrêter, ou reprendre ses études. Pas pour moi. Quant à mon crew, il était pas à la hauteur. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui l'est. Ah, non, ça c'est ce que tu penses. Vous savez, j'ai entendu de ces trucs. Les flics ne plaisantent plus. Mira la calle está caliente. Mais je sais tout sur les flics. Papa me l'a déjà dit, tout ça. Alors agis en conséquence, Mira. Quoi ? Comme toi ? Calme-toi, calme-toi. Des... Tu non, la lettre ? C'est une bonne question. Ça te dit un garage ? Mais ouais. Comment ça s'appelle ? C'est qui joue dans ici. Le feuilleton, là ? T'es sûr ? T'en connais pas la voix ? Le canapé libre, et c'est bon. Ok, désolé pour l'attente. Installons cette nitro. Ok, un chien en cours. De mettre ma nitro sur la voiture. Dans le garage, il y a un bug au fond là, à gauche. Regarde. Les voitures disparaissent avec le perso. Ça fait chelou. Donnera un sacré coup de fouet quand on aura besoin. Ah, ben voilà des vinyles.
Ça, c'est pour toi.
Alors. Super freak, cause she knows brain like a zombie. Show you new love, but you don't love anybody. Had you ride shot, cloudy, you find it. Kid kicking flavor, yo, I'm hotter than wasabi. Let the money drive me, I'm trying to cop a Rari. Moving with the money, beat feeling like Cardi. Shades like I'm Johnny, hater never mommy. Baby like, I let her just massage me. Taking booty pics, put it on her IG, yo. Sometimes you gotta be a freak to me. You gotta let the inhibitions take over, please, yeah. Feeling like Cardi.
J'arrive pas à choisir. Et là, faut faire tout fermé.
Bon. Il va falloir que je réfléchisse. Pas trouver Il y a quoi de mettre en icône?
Maintenant je sais ce que je fais. Non, c'est la couleur qui va pas. Oh mince, je me suis trompé dans mon vinyle. Mais non. Voilà. Modifier. Oui, c'est la couleur que je veux modifier. Hello, Captain Albator FR. Oui, ça va, oui, j'ai récupéré.
Oh, j'ai passé mon truc. Là. Pas sûr que les deux. C'est là. Et qu'est-ce que je pourrais mettre sur le capot? Ça va pas le faire, ça. Bon, je vais laisser comme ça. Je sais pas quoi mettre dessus. Ah ouais, dès que t'as de l'argent, tu peux acheter plein de trucs là. À la plage, j'irai me balader la nuit. N'oublie pas, si tu veux investir dans cette bagnole, tu dois d'abord te faire un nom. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc du coup... Ah merci Captain Albator. Bientôt il y aura... Ah mais voilà. Il paraît que t'as modifié ta bagnole. Je sens que t'es pas là pour plaisanter. Je serais pas venu sinon. Tu sais, si tu veux intégrer la ligue, t'y arriveras pas partout. Si je comprends bien, toi non plus. C'est de ça dont je voulais parler. Je pense qu'on peut s'entraider, former un crew. À moins qu'on te propose déjà des contrats en or. Des tonnes, ouais. Tu parles. Alors, t'en dis quoi? Du banco. Ouais, nickel. Ok, si on veut progresser jusqu'à la ligue, on doit faire la course contre un autre crew. Tu te souviens de Kenny? Le plouc de ma première soirée, là. Bon, il y a qu'un avantage. Pourquoi ça s'est mis à planter?
Le temps de visiter la ville? Ouais, très intéressante. À ta place, j'irai me balader la nuit. N'oublie pas, si tu veux investir dans cette bagnole, tu dois d'abord te faire une... Je crois que ça va pas replanter. Il paraît que t'as modifié ta bagnole. Je sens que t'es pas là pour plaisanter. Je serais pas venu sinon. Tu sais, si tu veux intégrer la Ligue, t'y arriveras pas par toi-même. Je comprends bien. Toi non plus. C'est de ça dont je voulais parler. Je pense qu'on peut s'entraider. Former un crew. À moins qu'on te propose déjà des contrats en or. Des tonnes, ouais. Tu parles. Alors, t'en dis quoi? Allez, je dis banco. Ouais, nickel. Ok, si on veut progresser jusqu'à la Ligue, on doit faire la course contre un autre crew. Tu te souviens de Kenny? Le plouc de ma première soirée, là? Son crew des Speed Boys est à notre portée. Je vais faire jouer mes relations, mais tu dois devenir un adversaire valable. Fais-toi inviter, et là on pourra entrer dans l'histoire. Presque premier. Thank you.
barrer, oui. Yes. T'as pas des courses à disputer ? Mais comment ? On verra la suite. Tu te trouves bien calme. Je fais juste un break. C'était un let's play. Tais-toi. Pourquoi t'es là alors ? Parce qu'il fait beau ? Dans ce jeu, bah, allez, retourne-y, toujours à fond. T'es vraiment de la même famille que le on se demande, hein ? Je conseille. J'ai la vitesse de papa et Lucas. Voilà. C'est Cléa Douille. Donc, je parie qu'il installe super vite ses filtres à air. Après un petit bug que j'ai eu. Il peut même le faire en dormant. Mais tant mieux, c'est tellement chiant. Ne le laisse pas te ralentir. Oh non. Bien. Super. Maintenant en piste, allez. Voilà. Alors je vais me garer là. Et puis on va dire. Je suis pas garé. Jusqu'à l'eau. Je vais me garer là. Voilà. Et je vous dis. Bah, un prochain live. Ce let's play sur Need for Speed 8. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez. C'était Cédric. À la prochaine. Bye bye. Ouais, je suis pas arrivé à... Ah si, ça y est. Allez, à ciao, ciao. C'était Cédric.